The final part now of the Time Watch expose of the terrorist network known as Gladio, which draws together the threads of a series of savage yet seemingly pointless murders. Thirty years of innocence and peace in Belgium were shattered in the early 1980s. Citizens with no expectations of violence were murdered while shopping. No one knew who, no one knew why. Some suspected that right-wing elements in the secret services had penetrated left-wing groups and had even killed their own police to deflect attention from themselves. The suspicion was never proven, but nor did it ever go away. Secret. There may be times when host country governments show passivity or indecision in the face of communist subversion. U.S. Army intelligence must have the means of launching special operations which will convince host country governments and public opinion of the reality of the insurgent danger. U.S. Army intelligence should seek to penetrate the insurgency by means of agents on special assignment with the task of forming special action groups among the most radical elements of the insurgency. I never heard such a thing, frankly. I don't know the origin of the statement, and you can find any statement in any country. I mean, you can find jackass statements anywhere. I suspect it is an authentic document. I don't doubt it. I never saw it, but it's the kind of special forces military operations that are described. On the other hand, you've got to recall that the Defense Department and the President don't initiate any of those orders until there is an appropriate occasion. It's a Supplement B of Field Manual 3132. It's 12 pages long. It's not a hell of a big thing, but if it's not authentic, then you need to ask somebody what is it doing in the classified manual section of most field manual libraries. Ma era un documento che mi consegnò un mio carissimo amico che faceva parte della CIA prima di rientrare in sede. Disse, prenditi questo, quando hai un ritaglio di tempo, leggitelo. The field manual is an old forgery designed to show that there's some kind of accusing the United States basically of what the Soviet Union was doing in Italy, which was creating a secret underground paramilitary organization capable of acting to subvert Italian democracy. Je suis originaire de la région du nord de la province de Luxembourg. J'étais à ce moment-là gérant de banque et j'étais aussi un ancien du régiment paracommando. C'est simplement comme ça qu'un jour se sont présentés chez moi des gens qui sont venus me demander de les aider dans des manœuvres un peu spéciales qui allaient se passer dans le nord de la province en coordination avec les forces spéciales américaines. Au départ de la manœuvre, les commandos belges étaient chargés de récupérer les forces spéciales américaines qui étaient parachutées dans la forêt. Après cette opération, ils devaient se diriger donc vers des points de coordonnées et vers des attaques bien précises de casernement, de gendarmerie. Et j'avais chez moi le ravitaillement, les munitions, les relais radio, etc. pour coordonner les opérations. Un dimanche matin, nous avons appris dans les journaux, à la radio, qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit sur un camp militaire d'une unité de chasseurs ardennais en Ardennes, ici en Belgique. Et je suis allé là-bas comme d'autres journalistes. On avait donc découpé les fils barbelés, on avait attaqué l'armurerie, on avait blessé en tirant le chef de poste et on était parti avec un certain nombre d'armes. J'ai pu pénétrer dans le camp parce que je connaissais certaines personnes
Et à l'intérieur du camp, je me suis aperçu qu'il y avait des militaires étrangers, notamment des Américains. Quelques jours avant, il y avait eu des bavures, c'est-à-dire que les Américains étaient trop motivés. Ce sont des gens quand même qui ont, dans la quarantaine, tous officiers, c'est comme des mecs solides. Et ces gens-là ont joué le jeu un peu trop fort. Ils ont attaqué une quinzaine de gendarmeries dans la région de Neuchâtel. Ils ont même balancé une grenade défensive près de, je crois, près de chez le procureur du roi, à Neuchâtel. Il y a une réaction du pouvoir civil en disant, et là, vos hommes, là, ils s'amusent un peu trop fort, on pousse un peu les choses trop loin. Donc c'est à ce moment-là que l'attaque de la caserne qui était programmée et que nous avions déjà été repérés deux, trois jours avant, a été annulée. Le jour de l'attaque, on nous a prévenus que ça ne se passerait pas, mais les Américains m'ont quand même demandé de les conduire derrière la caserne en stand-by pour attaquer la caserne. Le lendemain, j'étais parti avec mon épouse ici du côté de Namur et j'ai entendu à la radio que la caserne avait été attaquée à minuit. L'attaque de la caserne, pour moi, je ne peux pas dire comment ça s'est passé puisque ce jour-là, à 8 heures du soir, moi je suis parti. Je les ai prévenus, moi je ne reste pas pour les opérations. Et pendant des semaines et des mois, l'explication que les enquêteurs civils nous donnaient, c'était qu'il s'agissait probablement d'une attaque menée soit par des bandits de droit commun, soit par des terroristes. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'un jour, je reçoive un coup de téléphone, et c'est ainsi que je suis allé en France, où j'ai vu Lucien Dissler, qui m'a donné un texte et qui a parlé avec moi longuement pour m'expliquer qu'il jouait un rôle dans une manœuvre secrète qui devait reproduire des opérations de résistance et d'appui à la résistance telles qu'elles avaient été menées à la fin de la guerre en 1944. Le surlendemain, que j'ai reçu un coup de téléphone du commandant de la caserne de Vieille-Salme qui m'avertissait du suivi de l'opération. Il m'a dit, voilà, dites au commando belge que le garçon que nous avons récupéré sur le terrain n'est pas mort, il est gravement blessé et nous l'avons conduit à l'hôpital à Liège. Le samedi du soir de l'attaque de ce camp, son rôle avait été de transporter une équipe de militaires habillés en civil à proximité du camp de Vieille-Salme et que les plans étaient, cette nuit-là, d'attaquer. Les autorités militaires belges et américaines qui ont également été interrogées ont fini, après des mois, par admettre qu'il y avait bien eu une manœuvre, par reconnaître qu'au cours de cette manœuvre, on avait bien organisé certaines attaques. Je me souviens, par exemple, qu'il a été question d'une attaque contre un dépôt de carburant militaire à Bastogne, une autre attaque la nuit contre une gendarmerie, une brigade de gendarmerie à Neuchâtel. Lentement, les militaires ont fini par reconnaître qu'il y avait eu certaines attaques. Mais en ce qui concerne Vieille-Salme, leur dernière version a été de dire que l'attaque de Vieille-Salme était programmée et puis qu'au dernier moment, elle a été déprogrammée et elle n'a pas eu lieu. On a retrouvé, vous savez, quelques-unes des armes volées à Vieille-Salme dans un appartement conspiratif ici à Bruxelles, appartenant aux cellules communistes combattantes. Mais les journalistes et les observateurs ont continué à se poser la question de savoir si c'était vraiment les terroristes qui avaient été à Vieille-Salme ou bien si peut-être on avait pu déposer les armes dans leur appartement pour faire croire que c'était eux. Allô, radio de rédaction ? Oui. Bonjour, les cellules communistes combattantes. Oui. Nous pensons que les flics sont venus avant vous, avenue Louise. Alors nous allons vous adresser un nouveau message. Il se trouve 26 avenue Général de Gaulle, en face des étangs d'Ixelles, dans l'entrée en dessous des boîtes aux lettres. In cases where the infiltration of agents into the insurgent leadership has not been effectively implemented, it may help to utilize ultra-leftist organizations. Il me paraissait très significatif que dans les années 80, s'était développé un terrorisme de type médiatique qui utilisait les médias pour provoquer un choc dans l'opinion et dans la classe politique. Alors ce terrorisme pouvait avoir deux origines, soit une origine d'extrême gauche ou d'extrême droite, être le fait de gouvernements étrangers ou de services de renseignement et d'action étrangers, un terrorisme qui vise à déstabiliser la société démocratique. Vous savez, en Belgique, il y a un certain nombre d'affaires non élucidées où une bande, vraisemblablement, a perpétré de très nombreux meurtres
au milieu des années 80. Et on ne sait toujours rien de cela. Et certains ont imaginé qu'il pouvait y avoir une volonté de déstabiliser le régime démocratique dans notre pays. En hij ziet het draaien, gemaskerde mannen uit hun dingen ervan achterkomen. En hij zegt tegen zijn klein, laat u vallen, zei hij, want ze zijn daar. En daarmee is hij willen vluchten. Nee. En hebben ze hem direct op hem geschoten. Nee. Zeven of acht kogels door zijn notto. En hier is Schamschot, juist in zijn schedel en hier achter zijn oor. Ik heb één vrouw zien komen gelopen, volledig in haar gezicht bebloed en haar benen en al. En die is dan overgelopen in paniek van haar kind, iets van een kind. Wat dat juist was, weet ik niet, want de politie was hier dan, dan mochten we niet meer binnen of niks. My name is Martial Mekeu. I used to be with the Belgian Gendarmerie. I left Belgium in August 84 after precise death threat against my kids. In beginning of December 1983, I did go personally to the BSR, who were doing the investigation about the killing. I was surprised that no arrest had been made, and I knew that I did report myself what was going on, and we were expecting killing like that, random killing, going to supermarket and killing people, even kids. I believe they killed about 30 people. So I told a gentleman I met, do you realize member of the gendarmerie or the army are there involved in that? His answer was, shut up, you know, we know. Take care of your own business, get out of here. What they were saying, the democracy was going away, the leftists were in power, the socialists and all these things, they wanted more power. Ces crimes avaient troublé profondément l'opinion parce qu'ils ne paraissaient pas être justifiés par la seule considération du gain ou de ce que l'on pouvait prendre dans des grands magasins, que le meurtre gratuit et inutile d'une série de personnes pouvait procéder d'une intention politique qui rappelait celle qui avait causé des ravages en Italie, dans la gare de Bologne, par exemple, l'attentat qui avait fait 80 morts parmi des victimes totalement innocentes. Nous pensions qu'il pouvait donc avoir un soubassement politique à l'activité des tueurs du Brabant Wallon. Jean-Claude Garot edited and owned the Belgian magazine Pour. In its pages, he ran a series of exposés of Belgian neo-fascist groups. L'organisation du Front de la Jeunesse existait depuis plusieurs années et c'était, disons, une nouvelle structure, mais avec des personnalités qui avaient déjà été dans des structures politiques avant cela, dans d'autres structures. Le Front de la Jeunesse est un mouvement politique qui est né en 1974, qui a existé jusqu'en dans les années 1980 en tant que tel, et qui était un mouvement politique, un mouvement militant essentiellement, qualifié d'extrême droite, hein, bon. Mais qui était essentiellement un mouvement de jeunes et un mouvement militant. Il y a eu Jeune Europe, il y a eu Front de la Jeunesse, et puis ça a encore changé. Donc, en fait, le nom des structures politiques changeait, mais on retrouvait souvent des mêmes personnalités qui passaient de structure en structure. Et, par exemple, Dossogne a fait partie de plusieurs structures. Alors, on a mené toute une série d'actions, le Front de la Jeunesse a mené toute une série d'actions qui dérangeaient beaucoup à l'époque, parce que nous remettions en question une série de choses... je vais dire qu'il était relativement bien établi, ou si vous voulez, relativement bien établi. Et le Front de la Jeunesse a beaucoup dérangé, et le Front de la Jeunesse a tellement dérangé qu'on a en fait voulu le casser. On soupçonnait qu'il y avait un centre nerveux, décisionnel, qui était entouré de cercles successifs, qui déléguaient des tâches à chacune d'entre elles, avec naturellement un problème, c'est que plus les tâches étaient déléguées, quand elles arrivaient au cercle périphérique éloigné du centre nerveux, il y avait des erreurs. Dans les Ardennes, c'est une des erreurs de fonctionnement. Pour recréer, disons, l'ensemble de leur noyau d'intervention actif, donc paramilitaire, ils avaient besoin de former et d'encadrer des éléments d'extrême droite. Anciens paracommandos,
ancien militaire, membre de la gendarmerie, militant d'extrême droite. On a condamné les militants du Front de la Jeunesse pour avoir tenu des camps soi-disant paramilitaires. En fait, à l'heure actuelle, si vous voyez ce que font les scouts, ou ce que font certaines sociétés en matière d'incentives, par exemple, ils font beaucoup plus que ce que le Front de la Jeunesse n'a jamais fait. Une de ces organisations flamandes, VMO, Vlaams Militanten Orde, avait une section active de combat et qu'ils désiraient entraîner. Alors, ils ont entraîné ce groupe dans un camp, dans les Ardennes, et donc une activité de ce type, où on emploie des tirs de fusils mitrailleurs, des lancements de grenades, ça fait du bruit, ça éveille des attentions. Donc, nous avons été informés par quelqu'un que ce camp allait avoir lieu. Nous le savions, et nous avons mis les moyens photographiques nécessaires en œuvre pour photographier une partie de l'action. Et puis, nous avons révélé cette action dans un contexte très étudié. Nous avons dit, nous estimons qu'il y a eu un camp d'entraînement militaire du VMO avec tir de fusils mitrailleurs, avec lancement de cocktails Molotov, avec impact de balles dans les Ardennes. Le Front de la Jeunesse n'avait pas de camp militaire en tant que tel. Le Front de la Jeunesse organisait des week-ends qui se déroulaient dans des campings, dans des propriétés privées, mais où on circulait sur la voie publique, etc. Bon, le Front de la Jeunesse était à Marche-les-Dames, comme beaucoup d'autres groupes de jeunes, avec les autorisations des autorités militaires. Donc tout ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Des amis de la radio, de la télévision, en connexion avec moi, ont immédiatement été interviewés le général Borir, qui était à l'époque le numéro 1 de la pyramide de la gendarmerie. Le général Borir, c'était le général en chef de toute la gendarmerie. Le général Borir, en interview télévision et radio, a dit « Cela n'a jamais existé. Le jour même, le juge d'instruction intervenait, mais intervenait où cela ? Ici. En perquisitionnant ici et en faisant une déclaration à la presse en disant « Jean-Claude Garot a créé un faux et usage de faux. Il a fabriqué avec des uniformes, des photos et des armes » toute une mascarade. Le groupe G était en fait une des sections du Front de la Jeunesse qui regroupait les jeunes gendarmes, qui pour des raisons déontologiques liées à l'exercice de leur profession ne voulaient pas être mélangés avec les autres et par conséquent risquaient d'être mêlés à des actions, des manifestations, des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas faire déontologiquement parlant. Ce qui fait que ces gendarmes, qui étaient peut-être une grande dizaine, petite dizaine, grand maximum, ces gendarmes avaient demandé d'être regroupés dans une section à part. Mr. Francis Dossoyne was the contact, and I've been recruited by another member of the Gendarmerie from headquarters to become a member of that group. Only police officer who was inside that group. It was called the Group G, G for Gendarmerie. Que le Q a fait partie du Groupe G. Il a été même parmi les premiers qui ont fait partie du Groupe G. Et il a tellement bien fait partie du Groupe G que c'est en fait, bon sang, on l'a appris par après, mais que c'est en fait le Q qui informe l'état-major de la gendarmerie à l'époque de l'existence du groupe G. And I did witness there Mr. Mievis, he's the one who did recruit me, giving to Mr. Dossoyne a confidential file from headquarters. The people they did recruit were people like myself, people from headquarters, people who have access to certain knowledge inside the gendarmerie. So I believe officers in headquarters were involved also. Paul Latinus a été découvert alors qu'il était inconnu lors d'une de mes interviews par hasard. Rapidement, j'ai mené une enquête et cette enquête m'a montré comment Paul Latinus avait été implanté dans le Front de la Jeunesse avec des missions bien particulières d'apprendre au Front de la Jeunesse comment s'organiser dans des actions violentes. Attaque de café d'immigrés arabes, camp d'entraînement militaire, manière de se faire encadrer pour la surveillance. Alors la structure de Westland New Post, je rappelle aussi que c'est la structure identique pour toutes, pour tous les morceaux, pour tous les quartiers de la même tarte. C'est toujours le même principe. Vous avez un état-major au-dessus. Au-dessus de cet état-major, vous avez ces deux grandes directions qui apporte soit l'assistance économique, soit l'assistance de besoin d'autorité immédiate.
Bon, ces gens-là, en haut, on ne les connaît pas. Ils ne sont connus que des personnes clés, des personnages clés. En Europe, en l'occurrence, il y avait 9 personnages clés. Un des 9 était Polatinus. Le Heart Anti-Communist League, eux ne peuvent pas agir dans une portion du monde, ni partout en même temps. Eux, pour faire quelque chose, ils le feront faire. Par qui? Par des compagnies amies faisant partie du même système. Vous avez l'Europe divisée en 8 avec un centre. Nous avions le groupe centre pour la Belgique, l'ouest de l'Allemagne, le nord de la France et pratiquement la majeure partie des Pays-Bas. Et Latinus avait été chargé de constituer et de structurer ce groupe comme une armée secrète, un peu sur le modèle de l'ASS. Il y avait un service secret, un service de sécurité à l'intérieur du groupe. Chaque membre du groupe portait un double nom, un nom de code, généralement des noms allemands. Chaque membre ne connaissait pas l'autre et on recrutait dans ce groupe par parrainage. Et celui qui était recruté ne connaissait pas les autres membres de l'équipe. On peut créer une branche action avec ceux qui sont les plus physiques. On peut créer une branche, je veux dire, intellectuelle. Ce sont ceux qui vont gérer le renseignement. Donc de l'information, de l'action et de l'université. L'université, pourquoi? Parce qu'on a parfois besoin d'un scientifique, d'un laborantin pour un produit bien spécial. Pour, comme dans une brigade judiciaire, bon, il y a toujours le labo. Ce cheveu, à qui appartiendrait-il? Bon, on n'est pas allé jusqu'aux cheveux, mais des produits chimiques. Une demande à la limite, une demande d'explosifs, ça se fait vers la branche universitaire. Quelque chose de spécial, bien entendu, on ne vous parle pas d'un bâton de TNT, des produits beaucoup plus spéciaux. Je reprends contact avec Paul Latinus. Il me donne rendez-vous dans un restaurant de province et nous nous voyons pendant toute une nuit, au cours de laquelle il me raconte qu'il a été chargé par des autorités, il ne me dit pas lesquelles au début, de constituer depuis plusieurs années en Belgique un groupe secret de résistance pour lutter contre une certaine pénétration soviétique et contre la collaboration de certaines autorités belges avec les soviétiques. Des opérations commanditées, des opérations commandées, Polatinus les recevant doit, pour nous les faire, doit être certain d'une aide en cas de problème. Bon, on ne peut pas envoyer des jeunes, des moins jeunes, sur le terrain en disant que peut-être tantôt, dans 2 heures, dans 3 heures, ils se retrouvent avec une balle entre les deux yeux. C'était les risques. C'était les risques permanents. En cas de problème, ils se sont fait éventuellement prendre par une police communale. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle d'identité. Bon, la police rentre comme un cheveu dans la soupe. On peut pas dire aux policiers, écoutez, nous sommes dans une telle mission, etc. Non, bon, d'accord, contrôle, qu'est-ce que vous faites là? On ne peut pas vous le dire, clac, les menottes, et on est emmené pour un interrogatoire. Tout à fait classique. Dans ce groupe, il y avait également ce commissaire de la Sûreté de l'État qui a dit plus tard qu'il infiltrait ce groupe, mais qui néanmoins a donné des cours particuliers de filature dans un appartement d'un des membres, d'un des responsables du groupe, et ce commissaire arrivait avec une cagoule sur la tête, accompagné d'un garde-corps, on l'appelait le colonel, c'était son nom de code, et il disposait d'une carte du WNP avec les sigles secrets du groupe. Et parmi les techniciens qu'il a fait venir à des cours, il y avait un membre des services de sécurité du marché commun, nommé, entre guillemets, Robert, et il y avait un autre membre qui venait donner des cours en cagoule et qui s'est révélé être un commissaire de la Sûreté de l'État, Smets. Et lorsque nous avons posé des questions sur ces cours, nous avons également demandé s'il était exact que le commissaire avait organisé des exercices après les cours. Et le commissaire a fini par admettre qu'il avait été sur les lieux d'un exercice au mois de mai 1984, ici dans Bruxelles. On avait dit aux jeunes qu'une jeune femme qui habitait Bruxelles était la maîtresse du terroriste Carlos et on leur avait demandé de surveiller cette femme jour et nuit. Ces personnes ont donné des cours d'encadrement, de filature, d'armement. Robert a donné des cours de placement d'explosifs dans les cages d'escalier, a donné des cours de démontage et remontage d'armement et de tir, et également de tuer sans laisser de traces.
Lorsque je le rencontrerai quelques jours plus tard et dans les semaines qui suivent, et que je lui demanderai, mais qui t'a chargé de constituer ce groupe, il va d'abord parler de la Sûreté de l'État, et là nous avons pu vérifier, il travaillait pour la Sûreté de l'État, il était payé pour la Sûreté de l'État, et puis il parlera également d'autorités militaires étrangères, et lorsqu'on insiste, il finira par dire les services secrets militaires américains. Je confirme, il a rencontré des gens d'ambassade, mais j'ai jamais pu les rencontrer comme je vous rencontre aujourd'hui, à 2 mètres de distance. C'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que c'était pas mon domaine d'activité. Lui, c'était, si on veut dire, la diplomatie, c'est-à-dire les rapports avec les autorités étrangères. Nous, c'était le rapport tout à fait actif. On est sur le terrain, on sait qu'on est protégé, on sait que l'on a du secours de toutes les autorités possibles. Par le type de mission qui est engagé. Si on me demande est-ce qu'il était à la solde des Américains, je ne peux pas vous dire qu'il en était à la solde, mais en relation suivie, ça oui, de toute façon. Nous avons appris qu'il y avait eu un autre exercice au mois de janvier jusqu'en février 1984. On avait dit à ces jeunes qu'il y avait un couple, ici également à Bruxelles, qui était probablement lié au KGB, qui étaient des agents du KGB et il fallait le surveiller. Et lorsque nous avons appris que ces exercices avaient eu lieu, nous nous sommes évidemment souvenus qu'en février 1982, on avait retrouvé ce couple égorgé et abattu de balles dans la tête. On reçoit des plans. Bon, par exemple, on va reprendre, supposons qu'on est en 82. De 82 à 85, il y a des projets. Vous, en tant que monsieur Libert, vous ne connaissez rien du pourquoi. Vous ne connaissez rien du comment. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est avec vos effectifs, avec une couverture par la gendarmerie, une couverture par la sûreté ou quelque autre autorité, vous avez un boulot déterminé à remplir. Question, reprenons les grands magasins. Question de savoir où se trouve-t-il, quels sont les types de fermetures, quel est le style d'inspection sur place qui va, oui ou non, pouvoir interférer dans les opérations. Donc s'il y a un inspecteur du magasin même présent pour fermer les portes, si c'est une compagnie extérieure comme un Securitas ou un Intergarde. On a reçu des ordres, on a exécuté, on a rentré nos avis, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, tout ce que vous pouvez connaître sur un grand magasin, comment sont installés les rayons, etc. Savoir pourquoi il y a quoi ça devait servir. C'est une parmi des centaines de missions qu'on vous demande, c'est une des choses que vous rentrez. Maintenant, l'usage qui en fera, ce que l'on en fera plus tard, ça c'est le grand point d'interrogation. Quelqu'un courant avec un masque de carnaval, avec un fusil. Mais le butin est dérisoire, il doit être en dessous de 200 000. 200 000. Pas l'argent que l'on cherchait. Ça, c'est difficile à dire. Il avait un genre de masque comme au carnaval. Il avait un grand fusil, je ne sais pas ce que c'était exactement. Et quand je me suis avancé, il a fait un geste comme ça vers moi. Naturellement, je n'ai pas demandé mon compte. J'ai fait demi-tour et je suis allé vers la boucherie, vers l'arrière. The guns they were using were coming from far away. And that's exactly what we did planned. It's to organize gangs and groups like that and let them go by themselves, but make sure they will survive and make sure to supply them and, you know, just to create a climate of terror in a country. After 4 years of random killings and holdups, the Brabant Wallon killers vanished. Then after a year of silence, a phone call led police to a sack in a Belgian canal. In it, they found the weapons used in the killings and much of the loot. The caller never identified himself. They'd have two plans. Once, the first one was to organize gangs to do hold-up hostage, you know, killing. The second one was to organize a so-called
left movement who will do a terrorist attempt, just to make believe, make the population believe that these terrorist attempts were done by the left. In Belgium, as in the rest of Europe, the 1968 student revolts in Paris, Brussels, Frankfurt, and Milan led to the emergence of armed leftist action groups. The Red Army faction, Baader-Meinhof, Action Directe, and the Red Brigades, Le Brigate Rosse. On March the 16th, 1978, the Italian left-wing terrorists kidnapped the former Italian Prime Minister, Mr. Aldo Moro. On that day, the Italian Parliament was about to debate the inclusion of the Italian Communist Party in a government of national unity for the first time since 1948. Aldo Moro had long believed that this was the only solution for political stability in Italy. Brigata Rosso was penetrated. Baader-Meinhof was penetrated. Action Directe. Various of these left-wing terrorist organizations were, were penetrated and co-opted. Le Brigate Rosse sono state infiltrate. Sono state infiltrate con notevoli difficoltà. Perché erano molto una struttura molto chiusa e direi anche efficiente, ma tuttavia ci sono state anche delle infiltrazioni notevoli che ci hanno portato a ottimi risultati. Federico Umberto D'Amato nasce come agente dei servizi di sicurezza della polizia, del ministro dell'interno, in epoca fascista, continua in epoca antifascista, forte della parentela col padre, che è questore, che è addetto alla commissione di epurazione dei poliziotti nel 1945-46, prosegue nella sua attività sempre a contatto con tutti i servizi segreti. Si è fatto anche di più nel campo della sicurezza, e da parte europea questa volta, soprattutto quando ci furono les événements francesi, e cioè la rivoluzione del 68, si vide che c'era una grave minaccia di sovversione e di terrorismo in Europa. E allora io proposi la costituzione di un comitato permanente europeo, a cui aderì anche la Svizzera, che sembra neutrale, ma volle aderire anche la Svizzera, tanto è vero che questo comitato si chiamò Club di Berna. È il fondatore del Club di Berna, perché il suo è l'idea di creare il Club di Berna, che poi si riunisce ogni anno e raduna tutti i servizi segreti europei e americani. La sua prima apparizione, evidente, provata, nella battaglia politica interna, risale al 1962, alla cosiddetta Operazione Manifesti Cinesi. In sintesi, si tratta di affidare a un gruppo di estrema destra d'avanguardia nazionale l'incarico di affiggere manifesti inneggianti a Mao. Cioè, è il tentativo di creare un'ultrasinistra molto più spinta del Partito Comunista. Questa operazione viene decisa a Berna, a una riunione dei servizi segreti europei, americani e cinesi. Il club esiste tuttora e riunisce i servizi di sicurezza europei. Le aggiungerò che ogni volta che si riuniscono, siccome ne fui io il fondatore e il decano, mi mandano un saluto al padrino, che sono io. Le Brigate Rosse sono quindi conosciute, sono ampiamente infiltrate. Tutti gli aderenti alle Brigate Rosse erano conosciuti dalle forze di polizia, dai carabinieri, dai servizi di sicurezza. Io e altri compagni ci trasferimmo a Roma perché volevamo appunto fare un salto, noi dicevamo, politico e militare nell'iniziativa della nostra organizzazione. Dopo il sequestro di un magistrato, il nostro obiettivo era il sequestro di un uomo politico. Noi avevamo individuato appunto questa persona in Andreotti. Non arrivammo nemmeno a preparare un piano reale di sequestro, perché fummo... Io fui arrestato, io e Renato fummo arrestati tutti.
Questo infiltrato nostro interno, così gli chi ha detto fratello Mitra, era ormai un anno che aveva contatti con noi, con la nostra organizzazione. Avrebbe avuto l'opportunità di infiltrarsi ancora di più all'interno dell'organizzazione nostra, perché dopo quell'appuntamento che lui aveva con Renato, Renato gli avrebbe fatto la proposta di dirigere la nostra scuola militare. Lui a questo punto avrebbe avuto l'opportunità di conoscere tutti i compagni clandestini dell'organizzazione. E la cosa che può colpire è che proprio quella volta hanno deciso di arrestare le persone. Franceschini and Renato Curcio, the founders of the Red Brigades, were in prison when Aldo Moro was kidnapped. Scores of reports, classified documents coming out of the Rome station, which absolutely verified that, you know, that the Red Brigades had been penetrated, that the planning staff of the Red Brigades was taking its orders from Santovita. General Santovita was then head of SISMI, the Italian Secret Service. Valerio Morucci, il brigatista che fu arrestato non molto tempo dopo l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, aveva un'agenda piena di documenti e piena di numeri di telefono e notazioni molto riservate. E tra questi quelli del generale Giovanni Romeo, che era capo dell'ufficio D del SID, cioè l'ufficio più importante, durante il sequestro di Aldo Moro. Vorrei ricordare che è stato proprio il generale Romeo che lo scorso anno in commissioni stragi ha parlato in maniera chiara della presenza di agenti dei servizi segreti all'interno delle Brigate Rosse. Non si sa esattamente se ancora sono stati individuati tutti quelli del comando che ha sparato, perché adesso nel Moro Quater ce ne sono due in più di quelli in precedenza. Si è detto che c'è stato anche un ufficiale dei servizi che era in zona. Questo, interrogato dai magistrati, dice che aveva motivi legittimi di lavoro familiare di stare un isolato vicino. La prima volta di Guglielmi se ne è parlato dopo le confessioni, le rivelazioni di Pierluigi Ravasio, che era un carabiniere che nel passato aveva lavorato presso il SISMI. Ravasio, quando era agente dei servizi segreti, è stato addestrato a Capo Marraggio, cioè alla base di Gladio. E Pierluigi Ravasio ha detto che nell'Università di Roma i servizi segreti avevano un informatore che li avvertì con anticipo che quella mattina del 16 marzo del 1978 Aldo Moro sarebbe stato rapito. Disse ancora che il colonnello Guglielmi andò in via Fani ma non riuscì a far nulla per evitare il rapimento e comunque aveva assistito al sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Ravasio disse anche che Guglielmi era morto. In realtà Guglielmi non era morto ed è stato interrogato dal giudice romano Luigi De Ficchi e ha parzialmente confermato la storia di Ravasio, dicendo che quella mattina lui era nei pressi di via Fani ma non aveva assistito al rapimento. E c'è una cosa piuttosto singolare nelle dichiarazioni di Guglielmi per il fatto che lui ha detto di essere andato a casa dell'amico perché lo aveva invitato a pranzo, però questo sarebbe accaduto alle 9 del mattino, che per un invito a pranzo è un pochino presto. Lui era dell'ufficio sicurezza interna e sembra, da alcuni documenti usciti recentemente, che sia stato uno degli addestratori di Capo Marraggio, che era in passato la base di Gladio. Sia mio marito, quando era ancora vivo, sia altre persone mi hanno detto che con precisione aveva, forse da dopo il 75 in avanti, forse un pochino dopo il 75, ecco, non le saprei precisare la cosa molto. Gli era stato detto che questo suo tentativo di voler portare tutte le forze politiche a collaborare a livello di governo per il bene del paese era una cosa che non era apprezzata da certi gruppi, da certe persone, da certe correnti,
e che quindi si guardasse da seguire questo suo pensiero e da, come dire, da insistere in questo suo progetto politico, perché avrebbe pagato caro a questa sua cocciutaggine. La mia reazione, non solo la mia, ma un po' di tutti noi, è stata di grande stupore. Cioè stupore perché, innanzitutto perché per chi era Moro e cosa significava Moro. Cioè io non pensavo mai che i compagni fuori avessero la forza e la capacità di portare a termine un sequestro militarmente così complesso come era quello di Moro, che era il presidente della Democrazia Cristiana in quel momento. Quello che ci aveva colpito e meravigliato, credo tutti quanti, era quella che poi fu chiamata la geometrica potenza delle Brigate Rosse, perché noi ci ricordavamo un'organizzazione così fatta da ragazzotti, da ragazzi anche con poca esperienza militare, che nel giro di pochissimi anni era in grado di compiere, invece era stata capace invece di compiere un'azione militarmente complessa e difficile come il sequestro di Moro con l'uccisione della scorta nel centro di Roma. 49 dei 92 proiettili che furono ritrovati in via Fani erano ricoperti da una particolare vernice a lunga conservazione ed erano senza la data di fabbricazione. La prima perizia parlò di proiettili in uso a forze armate non convenzionali. Pronto? E chi parla? Indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io alla famiglia? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. I cannot accept the disgraceful and ungrateful decision taken by the Christian Democratic Party. I will not absolve, nor will I exonerate anyone of their responsibility. No political or moral reason impels me to do so. My own cry joins that of my family, themselves wounded to death, and I hope that their cry will be heard independently. I don't believe the Christian Democratic Party has solved their problems by liquidating Moro. Because of this clear incompatibility, I request that at my funeral there be no one present representing the Italian state and no one from the political party. I ask to be accompanied by the few people who have really wished me well, those therefore that are worthy of accompanying me with their prayers and with their love. Kind regards, Aldo Moro. Nella Democrazia Cristiana, la morte di Aldo Moro pesa ancora. E pesa la scelta che io ho fatto e che mi ha fatto diventare i capelli bianchi di praticamente sacrificare Moro per salvare la Repubblica. Nella tipografia delle Brigate Rosse, che fu scoperta immediatamente dopo l'uccisione di Aldo Moro, che era in via Pio Foa a Roma, fu trovata una stampatrice che proveniva dai servizi segreti, in particolare dal RUS, Raggruppamento Unità Speciali, che era il settore dei servizi segreti che si occupava del reclutamento dei gladiatori. By the time that Moro's body was discovered, the Italians had worked themselves into such a frenzy and such a terror about the Red Brigades that I think if the Red Brigades had appreciated just how frightened the Italian government was at that point, that they might actually have accomplished something. I mean, accomplished something political. The goal of terrorism, after all, is to terrorize. They had succeeded in terrorizing. They had terrorized the political class of Italy. Quando io parlo di ideale, io parlo oggi di un ideale di verità. Non è più un ideale ideologico. Io sono giunto alla conclusione, non da oggi.
che fascismo è stata un'esperienza storica che si è definitivamente tramontata, che è stata artefattamente mantenuta in vita. Quindi diciamo un ideale di verità rivolto non soltanto al passato ma anche al presente e al futuro. Questo ideale di verità esclude che io possa pentirmi di ciò che ho fatto, perché ciò che ho fatto, giusto o sbagliato che possa essere giudicato, l'ho fatto credendo profondamente e continuo a credere. E non posso quindi dissociarmi da questo passato. In cambio di cosa? Io voglio la verità che lo Stato nega. Posso mai concepire di dissociarmi per accettare dallo Stato quei benefici che concede a chi ha paura e a chi riconosce un torto che non ha? Perché qui ci sono state migliaia di ingannate, che sono state dapprima ingannate, poi incarcerate e molto uccise. Personalmente vorrei sapere anche perché mi sto facendo 17 anni di carcere. Cioè, cosa veramente, chi veramente può aver usato la mia vita? Cioè, mentre io credevo di muovermi in una certa direzione, forse c'era qualcuno, senza che io me ne rendessi conto, che mi faceva procedere in un'altra direzione. Io vorrei saperlo. Questi pupazzi, questi che i francesi chiamano automat, e che noi chiamiamo automi, da automatos, cioè movimento automatico, e sono appunto questo tentativo di dar vita a un movimento, di dar vita a una vita che non esiste, ma che tuttavia appare nella sua immobilità e nel suo movimento, come lei vedrà, deliziosa. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur. Time Watch returns in the autumn.